de X2 Zarklof. Ça vous trahirait avant même d'arriver à Yuri. Reçu. Ça va être dur d'entrer dans une base ennemie sans arme à la main, mais vous avez raison. Yuri devrait vous avoir envoyé sa position. Affirmatif. Le bâtiment administratif d'Arklof est près du hangar. Il y a une antenne satellite sous le. Une antenne. Bien reçu. Les collègues de Yuri vont passer par là. Vous devrez faire vite. J'entre et je sors. Pas de blessés. Je connais bien Arklof. Dites-moi ce que vous voyez et j'ai... Putain, j'ai pas fait gaffe si j'avais un silencieux ou non. Ils sont en alerte. Je dois bouger de là. Continuez. Et vous faites pas prendre. Ok, on va passer sur le trottoir d'à côté à chaque fois. Hein. J'ai trouvé le bâtiment administratif, Nick. Ah ok, là à gauche, parfait. Bon, ils sont en train de faire un peu de réparation. Ok, il est à 15 mètres. Yuri vient de nous contacter. J'ai un problème. Il me faut une carte d'accès. Vous allez devoir en emprunter une. Je devrais pouvoir en trouver une sur un officier. Tous ceux qui entrent ou sortent du bâtiment en ont probablement une. Bien vu. Attendez qu'un officier quitte le bâtiment. Je vois un major sortir. Il est pas seul. Vous avez trouvé votre cible. Suivez-le et prenez sa carte d'accès. Oh là, putain, ok. Le major s'éloigne. Il monte vers un bureau. Ça pourrait être un bon endroit pour le neutraliser. Il est mort. Cible éliminée, j'ai la carte. Il s'est sacrifié pour la bonne cause. J'avais pas le choix. Bon, C'est la faute de Makarov. Maintenant. Pas la vôtre. J'espère que les infos d'Yuri en vaudront la peine. Bon, je sais, c'est un peu cramé, mais bon. On va passer sur les côtés, hein. Par contre, je suis con pour passer avec eux là. Je suis dedans. Yuri a dit qu'il serait dans une salle de stockage au bout du couloir, à droite de l'entrée. J'y suis, Nick. Terminé. Yuri. Watcher, je suis impressionné, mais pas surpris. Un problème ? Plusieurs. Des dommages collatéraux. J'espère que leur sacrifice en vaut la peine. Qu'est-ce que vous avez ? Des dossiers du FSB sur les recherches de Barkov. Les armes chimiques. Quand il était soldat, Makarov était fasciné par leur potentiel. Est-ce qu'on peut les neutraliser ? Je vous donne tout ce qu'on sait. Pourquoi ? La Russie et l'Occident font face à des menaces communes. Il est impératif que l'on collabore pour les arrêter. Comme on dit, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Nikolai serait d'accord avec ça. C'est un vrai patriote. Le Kremlin n'a rien à voir avec ses agents chimiques. Ça veut pas dire que Makarov ne travaille pas avec Moscou. Il y a des extrémistes dans nos deux gouvernements. Watcher. Répétez, bravo. Bravo, je vous entends mal, répétez. À l'aveugle, deux missiles se dirigent actuellement vers la base d'Arklof. Ils transportent des têtes chimiques. Si vous êtes là-bas, partez. En exercice. Non, c'est pas...
Oh, c'est stylé, hein. Pour l'instant. Oh, merde. Attaque de missile, d'état chimique. Reçu, j'arrive. Oh, ok. Ok, on va passer par là. Ok, let's go. Famille. Merci. C'est important, la famille. Oui. C'est bientôt l'anniversaire de ma fille. Votre fille Rabia. Comment est-ce que... Votre fils Tariq, Khalid, votre mari. Est-ce qu'on se connaît? Moi, je vous connais, Samara. Vous avez combattu avec le FLU. Contre les Russes. Oui. Il y a des années. Des années. Écoutez, taisez-vous. On va détourner cet avion. L'équipage, l'air Marshall, ils sont tous avec nous. Et vous aussi. Pour l'Urzikstan. Allez. Debout. Ok. Et je me suis tapé une flash. Bon, en tout cas, là on a repris en fait exactement là où la campagne d'MW2 s'est arrêtée. Et finalement, bah là on est dans l'avion. Là. Bonjour Samara. Tu as surpassé mes attentes aujourd'hui. Pour qui vous vous prenez? C'est pour ce que tu représentes, Samara. Mais qu'est-ce que c'est? Histoire. Enlevez-moi ce truc, espèce de sale connard! Chut, 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 chut. Ce que tu accomplis là fera de toi une héroïne, Samara. Personne ne vous croira. Je ne suis pas une terroriste! Non. Tu es un soldat citoyen poussé par Farah Karim à attaquer la Russie. Tu défends la liberté.
Vous êtes russe? Et cet avion est rempli de Russes. Comment pouvez-vous tuer votre propre peuple? Non, c'est pas moi qui l'ai tué. C'est toi. On est descendu à moins de 2500 mètres. Brûlures extants, Samara. Ok. Le téléphone il est où? Bouge de là toi. Qu'un avion de ligne russe s'est écrasé dans les montagnes de l'Urzikstan. Quand les tours de contrôle ont les autorités évoquent la piste d'un acte directeur de vol. Les autorités sont à la recherche de l'enregistreur de vol, un élément essentiel pour comprendre par les passagers pourrait apporter des réponses. Seulement quelques heures après l'attaque contre la base d'Arklov russe a subi de lourdes pertes. Je pense que les deux incidents pourraient être liés dans le cadre d'une attaque terroriste. Les tensions n'ont jamais été aussi. Ça, c'est encore un coup de Makarov. Il a fait plus de dégâts en 72 heures que Connie ces 5 dernières années sans lui. Cet avion de ligne est tombé dans mon pays. C'était pas un accident. Il faut que j'aille sur place pour le prouver. D'après l'OACI, l'avion est parti de Kastovy en direction de Sochi. Le contact a été perdu dans cette région. Ça me suffit. Allez-y vite avant l'arrivée des autorités. C'est pas les autorités qui m'inquiètent. Bonne chance, Farah. Site du crash, derrière la crête. Oui, je le vois. Quelle tragédie. Quelqu'un nous a devancés. Un groupe privé russe. Le groupe Connie. Makarov. Il va encore nous mettre ça sur le dos. On doit comprendre ce qui est arrivé à cet avion. Prouver au monde qu'on n'y est pour rien. Il n'est pas question de passer pour des terroristes. Pas encore. Qu'est-ce que tu fais? Je descends. Farah, il y a au moins 20 soldats là-bas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Soutiens-moi. Mets-toi là-haut et couvre-moi. Bien, commandante. T'es en position? Affirmatif. Je vois plusieurs équipes de Connie au milieu des débris. On dirait qu'ils sécurisent le site. L'UFL n'y est pour rien. Ok, site du crash. Donc... c'est une mission qui a été la première fois faite justement dans MW3, l'original. Surveille tes arrières. Je te préviens si je vois quelque chose. Et du coup, bah, ça sent le. Bienvenue dans mon pays. C'est l'heure de comprendre. Sans la prise de. Il est mort et personne n'a rien vu. Il y en a trois là-bas. Est-ce que je peux éclater les... Ok. Ah, je peux noter les ennemis en fait. Ok. J'ai pas mal de patrouilles.
Joli tir, Kilo. R.A.S. Ah, là-bas, il y a le... Ça, il me voyait pas. Je crois que tu les as semés, mais te relâche pas. Ok. T'es pas loin d'un gros tas de débris. Ça vaut le coup de jeter un œil. Voilà. Montez dans le véhicule. Ah putain, c'est vrai qu'à chaque fois je veux retenir mon souffle, mais... Ok, il est là-haut. Dans la merde. Ah, ok, M4 silencieux, mais avec vision comme ça là, pas fou. Attends, mais y'a un truc là-dedans, non? C'était chaud, mais je crois que tu les as semés. Ah! Ah, ok, maintenir pour pirater, ok. J'ai localisé un. J'ai fait un des bras. Les airs marchent, plus. Écrit sur quelqu'un qui tire juste derrière. J'attaque! Bon, je vais garder la tourelle pour. Vraiment, si je suis vraiment dans la merde. Ah, ok, merde. À côté du JLTV. Qu'est-ce qu'il a vu? Ah, ok. Alex, j'en ai trouvé un autre. Qu'est-ce que tu vois? Je vois une femme qui tient une arme. C'est marrant. Il fait partie de mes soldats. T'es sûr? Oui. Mais il ferait jamais ça. Ok. Les gens changent. Regarde ton frère. Là, c'est différent, Alex. J'espère que t'as raison. Essaie de trouver autre chose. Il l'a contrainte avec ça. T'en sais rien, Farah. Si, Alex, je le sais. On a toujours pas trouvé. Oh, Raven 9. Oh, la Raven, elle est trop bien, mec. Voilà, elle est pas équipée, mais bon. Baisse pas ta garde, Farah. Heureusement qu'il est là, le petit Alex, hein. J'ai localisé la boîte noire. Ok. Kilo, attention, des renforts ennemis dirigent vers toi. Boîte noire sécurisée. Couvre-moi le temps que j'efface les données. Le groupe connu n'accusera pas mon pays. Je le laisserai pas faire. Affirmatif. Grille tout. Bon. On a passé le site au pays fin. Il reste plus rien à récupérer. Fichant comme ici. Alors à ce moment-là... Bien reçu, commandante.
Bon bah les gars, franchement, je sais pas où il est. Alex a été tué. Bah ouais, je sais, mais je sais pas où il est, le gars. bon, déjà, je recommence pas tout. Ça, c'est cool parce que il y a des missions où t'as l'impression que tu recommences tout, c'est chiant. On a tout ce qu'il nous faut, Farah. On a plus rien à faire ici. Ok. On se retrouve au plan d'infiltration. Bien reçu, commandant. Ok, j'ai mon gilet de plaques. J'ai un problème. Qu'est-ce qui se passe? Mais t'es où toi en fait? Connie approche de ma position. Je suis compromis, t'approches pas. Alex, t'es où? Ah putain, le point il l'avait pas mis. Oh, j'aurais dû y aller en JLTV en vrai. Hein. Ok, let's go. Ah. Maintenant. On doit découvrir d'où sortent ces soldats et où ils vont. Je veux que tu les suives. Attaque que si t'as vraiment pas d'autre choix. Je garderai mes distances. Essaie de pas te faire prendre cette fois. Je te promets rien. Un ancien soldat du FLU avec un gilet explosif dans un avion de ligne russe. Elle a été forcée, j'en suis certaine. Samara. C'était une vraie combattante. Elle a rejoint le front durant l'occupation. Elle a dû s'occuper de sa famille. Il y a eu quoi sur le site du crash? Ils plaçaient des preuves pour nous piéger. Et y ramasser le reste. On en a tué beaucoup et on a pris les téléphones. Et la boîte noire? On l'a détruite. Bien. Vous avez empêché Makarov de manipuler la vérité. Si des agents de Connie étaient dans cet avion, ils ont échappé au crash. Makarov ne laisserait pas de traces. Certaines personnes penseront que le FLU est derrière tout ça. Mais grâce à vous, personne ne peut le prouver. Les gens spéculeront, mais vous avez battu Makarov à son propre jeu. Ça suffit pas. J'ai envoyé Alex traquer Connie. S'ils sont en Urzikstan, il les trouvera. Bien. Je vais retrouver la 141 et quoi qu'on découvre, vous le saurez. Au fait, Farah. Oui, Laswell. Je suis désolée pour Samara. Moi aussi. Vous tenez le coup? Pour l'instant. Mais frère. Ça va, camarade? Mieux maintenant, capitaine. Putain d'ultranationaliste. Voici les images de l'aéroport. Le passager avait un billet pour le vol 761. Avec un faux passeport. Ou un complice. Très certainement. Et personne l'a arrêté. Bref, un jeu d'enfant. C'est Makarov. Farah et Alex, qu'est-ce qu'ils ont? Rien qui puisse prouver quoi que ce soit. Cette sale enflure installe des armes chimiques sur des missiles américains pour tuer son propre peuple. Il s'en prend à des civils. Et rejette tout sur Farah. Et sur les États-Unis. Il joue avec le feu. Avec des opérations sous fausse bannière. C'est la guerre qu'il veut. Orient contre Occident. Un combat de titans. Le monde est en danger, Kate. Il faut craindre le pire. On le tenait, ce putain de connard! J'aurais dû le tuer quand j'en ai eu l'occasion. Qu'est-il arrivé? Une explosion confirmée au stade. On compte plusieurs blessés. À vous.
Bien reçu, on arrive. Attention, Makarov et ses hommes sont peut-être encore à l'intérieur. Si c'est le cas, ramenez-le-moi en vie. Bien reçu, où sont les secours? Les équipes médicales n'interviendront que lorsque la zone sera dégagée. Le salon VIP du deuxième étage est peut-être la prochaine cible de Makarov. Bordel de merde. Je vous le fais pas dire. Vos témoins seront là dans 10 minutes. Chopons cet enfoiré, terminé. Makarov a menacé l'aéroport avant de finalement décider d'attaquer le stade. C'est un putain de psychopathe. Fais attention, tu tires. On sait pas qui se trouve à l'intérieur. Tu es Makarov. T'as entendu le général. Les règles d'engagement s'appliquent. Stop! Restez pas là, allez! Bordel de merde. Allez, bougez là! Bougez, y'a la guerre! Restez-moi une. Ah bah, j'espère que vous avez bien aimé le stade là, les copains. Putain, Verdansk! Putain de merde! C'est le gars aussi. C'est ce que cherche Makarov. Police, trop fort! On s'en fout vite! Je tue des civils! Ah bah, c'est parce que c'est pas la police! Ils ont eu accès au salon VIP. C'est au troisième étage, allons-y! Ok, let's go. Par contre, ah, c'est la Hurricane. On va essayer de faire les choses propres, hein. Ah putain, sérieux, même les flashs. Ah ouais, ok, en fait, je peux pas. Bah ouais, putain, avec les civils, ça va être compliqué, hein. Bah ouais, tu me dis ça, je suis déjà mort. Putain, eh, cette mission-là va vraiment pas être simple, hein. Ah, t'es pas mort, toi, là-haut ? Ok. Oh, le stade! Ah ouais! Putain, le stade il est stylé, hein! Ah, je voulais aller voir le stade quand même! Ok, bah faut avoir vraiment de la précision parce que. Je crois que c'était un ennemi. Deuxième étage. Passe devant, saute. Je prends les escaliers. Let's go. VIP en vue. C'est bon. Il y a du mouvement à l'intérieur, fais attention. Après toi, sergent.
Je veux voir vos mains. Financier, tirez pas. Comment vous êtes entré ici? La sécurité. Ils nous ont laissé passer. Avec qui vous travaillez? S'il vous plaît, on essaie de sauver. J'ai besoin d'aide par ici. Là, il est mal en point, lui. Venez m'aider. Ils sont armés. Ah ouais, les bâtards. Sécurisé. Sergent, rien de cassé? Juste la plaque. Regardez ça. Ils avaient des explosifs. C'était leur prochaine cible. Leader Gold Eagle, on a retrouvé des explosifs dans le salon VIP. Aucun signe de Makarov. Reçu, sécurisez les lieux. Ok, on peut pas détruire les trucs. Makarov aura peu de chances de s'échapper. On sera là dans 5 minutes. Trouvez-le, John. Compris. Le garage. Affirmatif. Sécurisez les explosifs et allez au point d'exfiltration secondaire. Reçu. Ok, let's go. Il est pas entrouvert ? Ah si, je me disais. En bas, sergent. Fais-moi signe si tu vois Makarov. Compte sur moi, compte sur moi. Attention où tu tires, c'est un civil. Mettez-vous à l'abri, allez. Oh la vache. Véhicule en approche. On peut même pas faire confiance au véhicule de flic, hein. Sors du véhicule. Sors du véhicule, tout de suite. Attention. Neutralisé. Mal sécurisé. J'attends près de l'ambulance. Ouvre. Vos mains. Les mains en l'air. Putain de merde. C'est lui. Vladimir Makarov, sort du véhicule tout de suite. Sans geste brusque. Arrête-toi là. Maintenant, plus un geste. Fouille-le. Vous avez peur, capitaine. Vous avez raison. Ta gueule. À genoux, espèce de connard. RS. Vous allez me tuer? Ça m'a traversé l'esprit, ouais. Vous devriez le faire. Et toi, tu ferais mieux de dire à tes hommes de se rendre. Ils ont pas l'habitude de capituler. Ça, c'est plus votre truc à vous. Ne lâche pas des yeux. À toutes les unités, on tient Makarov, on se dirige vers l'extraction. Bien reçu, John. Ils vont tenter de le récupérer. Ouais, bah qui s'essaie. Prends à gauche, on dégage le véhicule et on fonce. Reçu. Avance. La voie est libre. Ok, putain, frapper Makarov pour l'obliger à suivre. Ah ok, ok. Vas-y là, avance là. Cours. Allez, cours. Allez. Tape ton meilleur sprint. Chaîne Makarov. Ça nous servira de faire un grenade. Avance. Allez les gars, on a Makarov en fait avec nous là. Il est où Makarov? Prends Makarov. Allez là. Je m'occupe de lui. C'est trop dangereux par ici, il faut qu'on avance. Vous êtes en sécurité nulle part. Ta chance a tourné. Makarov, bouge ton cul. Allez, avance là. Je ne crois pas à la chance. Mais à la préparation. Je te fais des coups de latte, toi. La malchance n'est que le résultat d'une mauvaise préparation. Alors tu t'es préparé à bien moisir en prison? Parce que. Ok. Trouvez un passage, sergent. On y va. Je dois dire que j'admire votre courage. Mais maudit votre stupide. Ouais, ferme là, là. T'en fais pas pour nous. Verdance 2019. Emmène-moi. On doit se dépêcher de rejoindre le point d'extraction. Allez. Bouge ton cul. Oh, putain. Ces gens ont besoin de soins. Qu'est-ce qui vous empêche de les aider, sergent? Toi. C'est votre choix. C'est toi qui as fait ça, pas nous. Ce sont des innocents.
Personne n'est innocent. Je sais de ces conneries. Je suis passé. RS. Sorti en vue. Ah, c'est sûr, ils vont le récupérer, Makarov. J'ai dit avance. On est à 2h20 de jeu. Encore à la victoire, alors que vous devriez penser au succès. Les méchants prospèrent. Toujours. La paix. Ouais, ta gueule. Attention! Ah, Makarov, élimine-les! Je pense que c'est bon. C'est dégagé. Ouais, c'est bon. On sort. Alright. Ah, Makarov, tu veux pas ouvrir ton putain de truc là, comme ça au moins. Soulève-la. Traverse. Allez. Leader Gold Eagle, on est dehors, à l'est du stade. Quelle est votre situation? Bravo 6, on est en position. Faites attention, les ennemis approchent par le nord. Euro Ace 2019. Vous couvrira au sniper. Reçu. Rendez-vous au point d'exfiltration principal. Terminé. Je m'occupe de Makarov. Dégage-nous un passage. Ok, let's go. Sur la droite. Sécurise la zone, sergent. Le point d'exfiltration. Mais bon, ils sont morts. En plus, il y a Ghost qui nous aide. Makarov! Ah, tes hommes ils étaient pas encore assez entraînés, hein, malheureusement, tu vois. La fifou, tout ça. On y va, on y va! Je sens qu'il va y avoir une merde. Non, ok. Je pensais qu'on allait se faire trahir ou je sais pas, un truc du genre là. Simon Riley. J'espérais que vous resteriez à l'aéroport. Pour y mourir. Si vous voulez vivre, évitez de menacer mes hommes, Vladimir. On s'appelle par nos prénoms maintenant? Herschel? Je connais nos noms et alors? Tout le monde peut lire un dossier! C'est quoi ton plan au juste? Ça. Ça veut dire quoi, ça? Sérieusement. Vous êtes une belle bande d'abrutis. Je t'ai posé une question. J'en ai une autre pour vous. Quelle heure il est? Qu'est-ce que ça peut vous foutre de savoir quelle heure il est? L'heure est cruciale, Général. Personne ici n'oubliera ce moment. Probablement... pour différentes raisons. L'aéroport! Il nous a détourné de la cible! Espèce de fils de pute! Cervelle, Makarov, tu m'entends? Non, je te jure que j'ai pas de louper! Allez, tuez-moi! Ferme ta sale gueule! Laisse-moi le buter! Soap, on tient. On l'a arrêté, il ira nulle part. Baisse ton arme, sergent. Moi qui pensais que vous étiez les gentils. Tu brûleras en enfer pour ça. Tu crèveras dans un goulag comme ces connards de Russes. On se reverra. MacTavish. Je vous le promets. J'aurais pas dû t'en empêcher. C'était la bonne chose à faire, capitaine. Non, plus maintenant.
Alliance, mission sécurisée, c'est le Pentagone. Je suis pas habilité, je sors. Non, Nick, reste. Kate, il faut qu'on parle. Je vous cherchais, justement. John, c'est une réunion de famille, fort bien. Vous voulez quoi? Vladimir Makarov, tout comme vous. Continuez, Général. J'ai des infos sur les finances de Makarov. Mais on s'en fout du fric. Soap, si vous trouvez l'argent, vous trouverez Makarov. D'où viennent vos infos? Sans armée, vous n'avez rien. Vous vous trompez encore? Putain, j'y crois pas, merde. Soap, je t'ai manqué? Enfin, techniquement, c'est toi qui m'as manqué. Laswell, si vous savez où ils sont, demandez une frappe aérienne. Ghost, c'est pas très gentil de dire ça. Qu'est-ce que tu prépares, toi? Je fais juste mon putain de taf, mon gars. Tu devrais essayer, des fois. Mon putain de taf, c'est d'éliminer l'ennemi. Et devine ce que t'es. Restons professionnels, messieurs. Capitaine, laissez-moi vous l'expliquer autrement. Vous voulez que Makarov passe l'arme à gauche? J'ai ce qu'il vous faut. En échange de quoi? Ma rédemption. Il n'est pas question de partir comme ça. Je veux être associé à une victoire. Regardez vos mails, Kate, on reste en contact. J'ai un nom et un emplacement. Je n'envoie personne en mission pour ce type. C'est pas une mission, non, c'est du renseignement. C'est une saloperie de menteur, Kate. Je suis de la CIA, John. Je m'y connais en mensonge. Et vous aussi. Capitaine, on fait ce genre de marché tout le temps. On a l'habitude. Il a raison. Galère ou pas, Garrick a raison. Chef, on peut le faire. Johnny, t'es avec moi? Toujours, lieutenant. Soyez prudent. D'accord? Que nous a donné Shepard? Et combien d'infos viennent de Graves? Ils sont indissociables, les gars. Malheureusement. Pour l'instant, ce sont nos alliés. J'ai vérifié leurs infos. Du solide. Ils ont trouvé qui finance Makarov. Une oligarque dénommée Milena Romanova. Elle cède à tous ses caprices depuis des années dans l'ombre. Elle est où? Sur une île privée. Seule et loin de tout. C'est une forteresse paradisiaque. Devinez qui gère la sécurité. Le groupe Connie. Les informations incluaient aussi des plans et des schémas de la zone. Qu'est-ce qu'on cherche exactement? On peut pas juste embarquer Milena. Légalement, non. Mais on peut détourner son argent. Il y a des serveurs sur l'île qui permettent d'accéder à ses comptes. On va devoir contourner ces systèmes de sécurité. Le responsable doit avoir une clé. On le trouve, je me connecte et je pirate les comptes. On arrive par bateau, puis on se sépare. Je récupère la clé pendant que Ghost sécurise l'arrière du périmètre. On aura besoin d'aide. J'enverrai un drone et vous guiderai depuis le ciel. Vous avez lu dans mes pensées. Allons faire parler l'argent. Et on verra ça au prochain épisode. En tout cas, pour l'instant, c'est vrai que j'aime bien la campagne. Mais les mondes ouverts et les cinématiques en veux-tu, en voilà, c'est un peu complexe. Parce que c'est vrai que les mondes ouverts, c'est un peu spécial. C'est la première fois qu'on en a réellement sur Call of. En tout cas, monde ouvert, quand je dis monde ouvert, c'est un monde restreint, mais quand même un minimum ouvert, parce qu'on peut vraiment aller se balader un peu à droite à gauche dans la map. Et c'est un peu spécial. J'ai toujours été habitué à jouer sur un système de scriptage. Donc quand je dis système de scriptage, c'est un système où on va faire selon ce que le jeu nous demande de faire, mais pas selon ce que nous décidons de faire. Donc il y a toujours une directive à suivre, mais tu sais, quand tu peux te balader à droite à gauche, c'est un peu particulier, et se mettre des plaques et en même temps chercher des instruments et tout. Il y a un moment donné, je me sentais un peu comme dans Warzone. Donc bon, en tout cas, vraiment, sinon le jeu graphiquement il est beau, et ça fait plaisir. C'est vrai qu'au niveau des graphismes, Infinity Ward sont assez forts, donc du coup voilà. Mais en tout cas, vraiment pas trop mal non plus. Donc écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu les amis. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser le petit j'aime et le petit commentaire qui fait plaisir. Sur ce, je vous laisse, et je vous dis à la fin prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.